À votre santé, mes amis. Il fait chaud. Il fait vraiment très très chaud. Petit verre de citron givré. Franchement, c'est pas de refus. Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, là on voit mieux ce qu'il y a écrit derrière moi. Juste là, là. Inta, Inya, grand-père, grand-mère. Je ne vais pas vous faire une énième vidéo sur grand-père, grand-mère, bien entendu. Hein. À force de voir mes vidéos, vous savez de quoi je parle, vous savez où ça se trouve. Non, je voulais juste aujourd'hui vous parler du beluga. Le beluga, c'est quoi? C'est un boutique hôtel. Voilà, boutique hôtel. Alors, il est vrai que moi, au début, j'avais beaucoup de mal avec cette terminologie. Je ne sais même pas comment on dit. Bref, boutique hôtel. Tu es une boutique ou tu es un hôtel? Donc voilà. Mais avec le temps, j'ai appris qu'en Thaïlande, ça se faisait beaucoup. Ok, donc là, je vous emmène au beluga. Donc, si vous regardez là, grand-père, grand-mère, l'accès est là-bas. Et là, vous avez toutes les petites boutiques pour y accéder. Hein, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez comment faire. Je me pousse pour éviter d'être écrasé par le gros 4x4 qui arrive devant moi. Alors, hein, rappelez-vous, hein, vous arrivez de tout là-bas, d'accord? Et voilà, vous devez payer 10 bahts. 10 bahts, c'est écrit là, derrière moi. 10 bahts pour les scooters et 30 pour les voitures. Alors, une fois que vous avez passé une journée, ou une après-midi, ou une matinée, bref, ce que vous avez envie, chez grand-père, grand-mère, moi, je vous propose ensuite d'aller au beluga. L'avantage de grand-père, grand-mère, effectivement, il y a les fameuses roches, il y a tout ce qu'il faut, il y a la mer. C'est pas trop fait pour se baigner, je vous le cache pas. Mais parfois, voilà, vous avez envie de piscine. Vous avez envie d'une eau claire, d'accord? Pour pouvoir se détendre mieux qu'avec les remous de la mer et autres. Le sable qui rentre dans le maillot de bain, je vais pas vous faire un dessin. On l'a tous vécu, vous savez de quoi je parle. Donc, le beluga, eh ben pour y aller, c'est tout simple. Alors, une fois que vous êtes là, vous repérez ces petits accès. Et si vous tournez la tête sur la gauche, vous voyez écrit quoi? Beluga boutique hôtel. Beach, bar et restaurant. Alors, beach, bar et restaurant. Eh ben, c'est là-bas que je vais aller prendre un petit verre pour me détendre. Allez, je vous fais la visite. On y va. Alors, le petit conseil à Riri. Si vous n'avez pas envie de payer le parking, hein, 10 bahts, hein, c'est rien 10 bahts. Hein. Mais bon, voilà. Vous garez votre scooter ici. Vous avez vu, il y a une grande petite place là. Vous garez votre scooter ici. Et puis, vous venez prendre la petite allée. Donc, ils disent bien, hein, c'est privé, hop. Mais comme nous, on va aller se détendre et prendre un verre. Comme on dit, on va aller lâcher de l'oseille. Alors voilà, quand vous arrivez au beluga, donc c'est des petites chambres à louer. Sympa. Hein. Vous les voyez juste ici. Voilà. Et puis là, voilà. Vous avez des petits transats. Alors là, vous avez d'autres chambres. Sympa. Une piscine bien confortable qui donne bien envie de nager. Voilà. Hop là. Ici, vous avez le restaurant. Alors, c'est le restaurant de l'hôtel. Et bien entendu, vous pouvez venir y manger. Voilà. Alors là, vous avez toute l'équipe qui est en train de préparer les cocktails et autres. Saudika! Hello, how are you? Fine, and you? Yes, good, very good. Alors voilà. Hello, hello. Et voilà. Le beluga. Alors voilà, la roche que vous voyez là, juste derrière moi, avec le point de vue juste au-dessus, c'est le point de vue de grand-père, grand-mère. Et quand on regarde bien, on est tout au bout de la maille. Vraiment, vraiment tout au bout. Voilà, à l'extrémité de la maille. La maille, c'est la longue plage que vous voyez en face. Et là, la plage que vous voyez là, c'est celle du beluga. Voilà. Quand vous venez vous détendre au beluga, juste ici, voilà, vous pouvez soit vous détendre, rester assis là-bas
à vous détendre tout simplement autour d'un cocktail, d'un verre de vin ou autre. Ou bien vous pouvez venir ici, à cet endroit-là. Voilà, on voit qu'il y a un monsieur qui est en train de dormir et il a bien raison. Il a bien raison. Et voilà. À votre santé, mes amis. Il fait chaud, il fait vraiment très très chaud. Petit verre de citron givré. Franchement, c'est pas de refus avec cette chaleur. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais tenter, j'ai discuté avec le manager du Beluga. Excusez-moi si j'ai une tête vraiment... Mais ici, il fait vraiment chaud, 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 chaud. Je vais tenter de... Parce que je vous le rappelle, hein, Koh Samui, en ce moment, traverse une vague de sécheresse. Sécheresse. Une sécheresse. Les chaussettes de l'archi du sèche sont sèches, archi-sèches. Sécheresse. Bref. Abonnez-vous. Abonnez-vous, qu'on entend. Donc une sécheresse, bref, il fait chaud, hors du commun, et vous disais, hein, regardez, je ne sais pas si vous voyez là ma montre, je n'arrive pas à me plier, je ne suis pas contorsionniste, presque 5h moins le quart, il doit faire combien? 33 degrés, c'est fou, bref, j'ai commandé des petits trucs à grignoter et je vous montrerai. Et je vais en même temps voir avec la manager s'il y a possibilité de vous montrer les chambres. Quand vous êtes à la piscine, alors regardez, je vous la remonte encore, elle est là la piscine, hein, d'accord. Quand vous êtes à la piscine, ou bien à la mer, juste là-bas, bah, si vous voulez, pour avoir une bonne expérience, vous avez ici des masques, des tubas, et bah dis donc, des palmes, voilà. Tout ça, bien entendu, mis à disposition gratuitement par le personnel du Beluga. Voilà, c'est super sympa. Alors maintenant, est-ce qu'il faut venir au Beluga pour y séjourner durant toutes vos vacances à Samui? Je sais pas. Je sais pas parce que moi, vous le savez, à chaque fois que je vais quelque part à Koh Samui ou surtout que je vous propose quelque chose, je vous dis de toujours de prendre un hôtel qui est à proximité des commodités et autres. Là, je vais pas dire qu'il n'y a pas de commodités autour. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué si vous n'avez pas de scooter, si vous n'avez pas de moyens de locomotion. J'essaye de trouver le bon angle pour avoir un petit peu plus de soleil. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Ah, je sais où je vais aller. Je vous reprends. Voilà mes amis, là je pense que vous me voyez mieux. Maintenant la question est, est-ce que oui ou non il faut séjourner au Beluga quand vous venez ici en Thaïlande? Le Beluga c'est sympa. Ça, il n'y a pas photo, hein, c'est nickel. Pour se détendre, voilà. Pour y passer un séjour de plusieurs jours, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, moi, vous le savez, quand je cherche un établissement à Samui, un hôtel, un bungalow ou autre, j'aime bien qu'il y ait pas mal de petites commodités autour. D'accord? À savoir 7-Eleven, Family Mart et autres. Voilà. Et aussi que je puisse me promener, aller dans un endroit sympathique sans forcément utiliser mon scooter, même si je l'utilise toujours. Même pour faire 500 mètres, je sais, c'est pas bien. Voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? Donc, je sais pas, c'est vous qui verrez. Je regarde parce que j'ai l'impression qu'il y a de la buée dans la caméra. Je sais pas. Bref, c'est vous qui verrez. Je vous laisse aller visiter le site du Beluga parce que malheureusement, je n'ai pas pu vous présenter les chambres parce que j'ai demandé aux gens du bar et ils m'ont dit, ouais, il faut attendre que la manager arrive et autres et blablabla et blablabla. Manager qui n'est jamais arrivé. Bref, c'est pas grave, mais voilà. Heureusement que vous avez les sites de vente d'hébergement en ligne, hein, Booking, Agoda, TripAdvisor, bref, tout le monde. Voilà. Ok. Quoi dire encore pour le Beluga? Ok, vous êtes à côté de grand-père-grand-mère. Vous êtes à 30 secondes de grand-père-grand-mère. Mais je pense pas que vous allez venir à Samui juste pour voir grand-père-grand-mère. Ok. Après, si vous marchez pour vous rendre sur la main road, il n'y a rien. Et puis sur la main road, après, mis à part 2-3 restaurants et un ou deux 7-Eleven, depuis le Covid, il n'y a plus grand chose. Ok? Bien entendu, ok, si vous êtes un marcheur, quelqu'un qui adore marcher, voilà, la longue plage que vous voyez là-bas, hein, elle fait, je crois, 6 km, 5 km, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez de quoi faire. Hein. Vous pouvez aller
jusqu'à tout là-bas. D'accord? Hein? Si ça vous dit, faites-le. Et puis pensez à moi. Mais moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner surtout, parce que depuis quelques temps, vous avez tendance à ne pas vous abonner. Et puis moi, je ne vais pas vous mentir, hein. Bah, des fois, ça me frustre un peu, parce que je me casse la tête à faire des belles vidéos. Je pense que c'est des vidéos intéressantes pour vous, qui vous aident dans votre solution d'hébergement ou d'endroit à choisir quand vous venez à Saint-Mouy. Mais qu'en échange, il n'y a pas beaucoup d'abonnements, donc c'est un peu frustrant pour moi. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, un jour, je ferai mon moment coup de gueule contre les gens qui posent des questions. Je me casse la tête à aller chercher des réponses et autres et leur répondre, et même pas, ils me répondent « merci couille ». Hein ? Même si j'ai dit un gros mot, désolé. Hein ? Bref.